Bonjour tout le monde. Voilà. Si vous êtes sur la page, vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Joy Albano. Je suis artiste peintre. Et là, aujourd'hui, comme j'avais dit il y a une semaine environ, je vais me défaire de certains tableaux qui n'ont plus pour moi une raison de rester avec moi. Ils ne sont pas partis parce que pour différentes raisons. Je ne veux plus qu'il fasse part de ma vie. Il y a toute une démarche derrière que j'explique aussi dans mon blog, mais grosso modo, soit c'était des mauvaises expériences qui m'ont quand même donné quelque chose, mais c'est bon, c'est intégré. Je ne veux plus l'objet de ces expériences ici avec moi. Soit c'est des choses qui ne m'appartiennent plus vraiment et dont je préfère me défaire, me laisser vraiment en arrière. Alors, si vous suivez ça, et juste histoire de savoir que c'est que vous m'entendez bien, mettez un puce, un cœur, un truc, etc. Alors, donc voilà, c'est des choses que je veux laisser derrière moi, et donc il y a toute une métaphore là derrière pour faire ça. C'est que j'aurais bien aimé faire. C'était comme j'avais dit de les brûler, mais en fait j'ai découvert, j'ai appelé les pompiers et on n'a plus le droit de faire ça, même dans notre jardin, dans notre propre jardin. On ne peut pas faire un feu pour brûler les feuilles, etc. Sachez-le, hein. Moi j'avais un doute, mais bon, je voulais quand même poser la question. Et du coup, donc, je ne peux pas les brûler parce que donc on n'a pas le droit de faire le feu. En plus, il y a du vent qui se lève là, il y a du mistral qui se lève. J'ai vraiment pas envie non plus de cramer la colline. Donc, je vais faire ça autrement. Alors, il faut savoir qu'il y a des six tableaux que je vais éliminer. En réalité, il y en a deux qui ont été réservés. Et il y en a un sur lequel j'ai plus ou moins, enfin, pour le moment, changé d'avis. On dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, il y en a trois qui vont survivre. Bah, deux sont à quelqu'un et celui-là. En fait, celui-là, Janis Joplin, donc il sera peut-être encore dispo. Je ne sais pas, peut-être je vais changer d'avis à nouveau. Mais les autres, ils vont disparaître. Hein. Et vu que je ne peux pas les brûler, bah, je vais utiliser le bon vieux système de les couvrir pour après peut-être réutiliser la toile ou alors, quoi, je ne sais pas. Enfin, on verra. Et donc pour commencer avec celui-ci, bon moi je vais mettre de la colle du coup et je vais le couvrir avec du papier pour le moment. Et puis donc voilà, on va faire ça comme ça. Hein. Hop. Faudrait pas que je mette de la colle par ailleurs. Et je vais couvrir avec du papier et puis peut-être que je vais utiliser ce support-là pour faire d'autres choses par la suite. Et voilà. Ça fait bizarre quand même hein, d'éliminer des tableaux. Hein. Enfin bon, bref, là. Voilà. Après, il y a le bon vieux système d'où gesso, je pourrais aussi couvrir avec ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire sur les deux autres, je pense. On va voir. On va voir. Ici, il y avait de la matière, donc je pense que d'utiliser aussi du papier d'abord, c'est peut-être mieux. Enfin, on verra. Bon, je ne vais pas montrer tout le processus parce que ça risque d'être long. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi ça. Si vous ne voulez savoir un peu plus, bon, vous m'envoyez un commentaire, un like, quelque chose. Et vous pouvez aussi suivre un peu plus ma démarche sur mon blog. Voilà, bon, je vous souhaite à bientôt avec une nouvelle vidéo et des nouveaux projets. Ciao!